Salut à tous, nouvelle journée. La douce, la dernière journée. Je veux pas. Et il est midi, on va sortir. Il est déjà midi. Donc là, on va sortir, on va acheter des chaussures pour Siong et on va manger, je pense. Ouais, là, la prochaine. Vas-y, remets tes seins, comme ça tout le monde va bien. Merci. Et donc, on part en moto avec le cousin qui nous a accompagnés pendant toutes les vacances. C'est gentil à lui. Donc, nous voilà arrivés dans le vrai Converse. Vrai Converse. Non, ici c'est du bon magasin. Ta-da. C'est ça que tu veux? Et alors, verdict? 1 million. 1 million. Ah ouais, je pense que c'est moins cher. La paire de Converse, au lieu de 70 euros en France, elle a 41 euros. Donc ça vaut le coup. Et voilà, plus de 30 euros d'économiser. Merci le Made in Vietnam. Nous voilà arrivés au Zen Plaza. Et on vient manger sushi. Yeah, pour le dernier jour, on se fait plaisir. Ça m'a fait. Stylé les mecs. Ah, il faut qu'on enlève nos chaussures. Donc là, on vient d'enlever nos chaussures et voilà où est-ce qu'on va manger. Ouh, trop cool. C'est trop marrant. Comment on fait pour s'installer là-dedans? Regarde, regarde-moi. Là-bas, c'est bon. Ah ouais, d'accord, il y a de la place pour mettre ses jambes. Ah ouais, en fait, on a de la place en dessous de la table. Ah, c'est vraiment cool, Barbies comme les japonais. Alors les prix là, ça va, franchement c'est pas si cher que ça, il y a un truc de 6 pièces, 46 000 donc ça fait genre même pas 2 euros les 6 pièces. Ouais. Ça y est, les plats commencent à arriver. Avec un œuf. Par contre ça, l'œuf ça a l'air bizarre. T'es leur tongue, ils font comme ça. Bon, même si on a dit qu'il fallait plus poser de questions quand on mange, là ce truc avec de l'œuf dedans, je tombe sur plein de surprises, genre des champignons, du poisson, mais là ça je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un œuf. Un œuf dans un œuf. Un bento traditionnel japonais. Voilà, on a fini de manger, on laisse un beau bordel. Et c'était super bon, ça nous a coûté 2 millions de dong. Pour 8, 9. Donc ça fait un truc comme 90 euros. Donc au final, ça va, ça reste assez abordable. Et puis surtout qu'on a vraiment beaucoup mangé quoi. Bon bah, bowling, ça y est, c'est décidé. Donc on va finir là-dessus. Nous voilà revenus au Plaza où on était venu la dernière fois. Il y avait une salle d'arcade, tout ça. Et donc là, cette fois, on va s'y arrêter pour faire un bowling. Donc je suis bien curieux de voir ce que ça va donner les Vietnamiens qui jouent au bowling. Je pense que on va rigoler. Yeah, voilà, voilà. Et en finale, il n'y a plus de place pour le bowling, donc c'est super. Trop cool. Encore un changement de programme. Super pour le dernier jour. Bon, du coup, on se balade dans le Plaza. Allez, direction le bowling en fait. Oui, encore un changement de plan. Non, en fait, non mais en fait on nous dit pas tout aussi. Alors en fait son cousin il a laissé son numéro et dès qu'il y a une piste qui s'est libérée, du coup on peut y aller. Et en attendant on s'est baladé par une super boutique. En fait le Vietnam c'est un ascenseur émotionnel. En une seconde tu crois que tu fais un truc, 10 secondes après tu fais plus ce truc, 10 secondes après en fait tu vas faire ce truc. Et au moment où tu arrives pour le faire en fait tu le fais plus. Donc là en fait le mec il nous amène directement la piste, les chaussures. Quand je vous l'avais dit, ils trichent dans l'équipe de Tamien. Ils trichent, il faut tomber les quilles avant même de lancer. Tricheuse! Tricheuse! Non, je pensais que j'allais filer un crack ou quoi, plus dessous là. Ouais. Ouh. Vas-y, vends-nous du rêve! Il triche trop là, il va apparaître un truc sans qui. Vas-y lance, lance, lance. Lance. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Pour ma défense? Ouais. Quelle défense? J'étais à 98, j'étais à 97. J'étais à 124 et l'autre était à 97. J'ai quand même gagné, j'ai quand même gagné. Bam, vas-y, sans nous, libre des excuses. Allez, vas-y. Page 12, ah, j'avais poney aquatique, je me suis blessé. Ouais. Bon, c'était bien cool en tout cas. On a bien rigolé même si leur machine est triche. Ouais, elles font tomber des quilles avant même que t'aies lancé ta boule. Là on va récupérer les scooters et c'est retour à la maison après. Et finaliser les bagages et puis
bah, on pourrait engager le départ sur l'aéroport, quoi. Alors les espèces de gardes du parking sont bien sympas, ils rangent toutes les motos, mais alors après faut retrouver ta moto. Et autant te dire que c'est le bordel. Voilà, on est à 3 sur un petit scoot. Alors c'est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la première fois qu'on était venu en ville, je vous avais dit que les filles elles avaient acheté du tissu pour se faire des tenues traditionnelles et qu'on allait recevoir juste avant le départ. Et ben, c'est chose faite. Tili, t'es toute belle. Et ça, il faut la clim. Hein. Il fait trop chaud. Et montre Dadou. Oui. Ça a pas du tout l'air agréable à porter. Ce n'est absolument pas confortable à porter. Non, 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 c'est juste joli. Regarde, je peux même pas faire. Maximum, tu veux me gratter le dos. Alors au niveau du prix, elles ont payé 300 000 dons pour le tissu plus la confection. Donc, et on est à 12 euros. Ça fait 12 euros, voilà. Donc c'est pas très très cher, donc si vous voulez vous en faire une, bah, c'est possible. Faut juste y prendre à l'avance, parce que ça prend une faut bonne semaine. Faut juste venir au Vietnam aussi. Hein. Ah ouais, faut juste venir au Vietnam. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais oublié ça aussi. Ouais. Bon, on s'apprête à partir, on a mis toutes les valises devant. On est combien déjà de nous? On est 6? On est 3, ouais 6. On est juste 6. On a le double de bagages. Et il y a tout ça. Mais bon, on a le droit à 240 kg, donc normalement ça passe. Ah, c'est la fin. Non, je veux pas. Je veux rester ici. Même le chien, il va me manquer. Non, il me manquera pas. Non, lui, il manquera pas. On va manger avec Burger King, c'est le dernier repas. Et on est déjà à l'aéroport, du coup, bah, Burger King. C'est super pas cher parce que le menu c'est à peine 2€ ici. Donc. Alors pourquoi est-ce qu'on mange à Burger King ce soir? Parce qu'en fait là il est 20h, donc c'est l'heure du repas à la base. En fait on décolle à 12h30. Donc autant dire qu'on est arrivé légèrement très tôt à l'aéroport. Ah ouais, puis livre des excuses aussi, ça nous a permis de dépenser ce qui nous restait d'argent. Voilà. Bon, sans doute qu'ils ont exactement le même goût qu'en France. Hein. Par contre au niveau des frites là aussi ça se vérifie. Hein. Ça c'est une frite normale pour eux. Tu as juste que dalle portion de frites d'un gosse de 8 ans. En fait, il n'y a pas le choix de la taille des menus, donc boisson, tout ça, c'est taille unique. Il n'y a pas le choix, quoi. Ouais, Dadou, tu rejoins la team gros. Et à Burger King, comme tous les autres fast-food, ils servent du lait chocolaté. Froid. Très, très bizarre. On n'a pas s'enchaîner. C'est pas du tout long. On s'éclate trop bien. Ouais. Il reste encore 3h30. Ouais. Ça y est, on a enregistré tous les bagages. Pas de soucis à part Denis, hein, qui dans sa valise avait laissé des balles, des armes avec lesquelles on a tiré à armes réelles là. Bravo Denis, hein. Ouais, toi aussi tu les as. Oui, moi aussi, mais moi c'est passé. Bon, on vient de dire au revoir à la famille. Et du coup, bah, on va aller se poser dans l'aéroport. Et... Encore, et puis attendre notre vol du coup. Encore. On attend l'avion, donc on va embarquer dans à peu près 4 heures. Non, dans combien de temps? Dans 2 heures on embarque? Oui, dans moins d'une heure. Bon, moins d'une heure. Et donc voilà, c'est la fin de l'aventure. On va se quitter, parce que bah voilà, c'est la fin du séjour. Dadou, du coup, tes impressions? Sur le Vietnam, alors c'est un super beau pays, quoique un peu sale, parce qu'ils ne connaissent pas spécialement le tri. Sélectif, les poubelles déjà, c'est très important. J'avoue, c'est grave le bordel. Oh là là, coup, niveau pollution là-bas, faut pas faire attention. L'alimentation est géniale. Ah ouais, c'est vrai qu'on a dérangé. Évitez les glaçons. Ouais, sinon vous aurez une bonne surprise. Sans glaçons. Mais sinon, on s'est régalé. On a fait plein de visites, on a vu plein de trucs. Ouais, c'était des vacances bien chargées, on a été fatigués des fois ce soir, mais au moins on a fait pas mal de trucs quoi. Et le Nouvel An, c'était super. Ouais, le Nouvel An, c'était sympa, mais moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros quand même. Un peu décevant quand même par rapport à ce qu'on nous avait annoncé. Moi, je pensais genre un gros carnaval, un truc qui faisait toute la rue en mode des danseurs et tout, puis au final, bon bah. Mais bon, c'est, par contre, à voir, c'était sympa quoi. Ouais. C'était sympa. En même temps, c'est parce qu'on était dans une petite ville aussi. Ouais. Et puis, on pouvait pas aller en ville parce que, comme je l'avais dit, bah, la tradition veut qu'on rentre à la campagne dans sa famille. Donc, ouais, des bonnes vacances, nous, on s'est bien amusés. J'espère que toutes les vidéos vous ont plu. Je tiens à remercier aussi la famille de Lan qui nous a accueillis bah, pendant toutes ces vacances, qui nous a supporté, traîné partout.
Ouais, grave. Franchement, on les a vraiment traînés partout. Ils connaissent la ville par cœur. Et nous, on ouais, il y a des journées où il était encore chaud. Et eux, ils étaient sur les rotules. Grave. Mais bon, franchement, c'était des bonnes vacances. Heureusement qu'ils étaient là. Sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On aurait sûrement vu beaucoup moins de choses. On se serait sûrement fait beaucoup plus arnaquer aussi. Ouais. Déjà qu'ils ont tendance à nous carotte avec les musées et tout. Les prix, déjà, ils sont fixes. Alors là où c'est pas fixe, ça aurait été du grand n'importe quoi. Enfin, bref. Négocier tout à 60 000, surtout dans le regard à souvenir. Comment tu dis 60 000? Ça a un mot, et faut dire ça, ça a un mot, et ça a un mot. Et puis hop, ça part 60 000. Voilà. Le concept du vlog, c'est nouveau sur ma chaîne, bah, j'espère que ça vous plaît quand même. Et bah, de toute façon, on se retrouve très bientôt au début avril, parce que je pars au marathon des sables. Donc pareil, bah, j'espère que vous allez me suivre et que ça va vous plaire. Et après, au mois d'août, le running vlog. Donc je vous mets l'adresse internet si vous ne voyez pas ce que c'est comme projet, comme ça vous pourrez prendre toutes les infos directement sur le site. Et puis bah, c'est tout, hein. Là voilà, c'est la fin. Les dernières secondes de vidéo. Voilà. Donc bah nous on va se quitter, on va faire le retour, les 12 heures de vol, top top, super. Ah, cool. Et le retour en France, choc 30 degrés de différence, et puis bah voilà. Choc thermique. Grave. Donc bah écoutez, je vous fais des bisous, et puis bah on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.